Voilà. La voie est libre. Et maintenant, c'est parti. Oculus, on est en route. Quoi de neuf du côté de Luther? La dernière fois qu'on l'a vu, il se dirigeait vers les labos. D'après les plans fournis au ministère de la Défense, c'est là qu'il stockait des armes chimiques. Ils utilisent peut-être la chambre froide pour stabiliser le silo de Fuse. En route pour les labos. Attention, siffleur repéré! Mais merde, faut pas déconner!
tir. Je savais que c'était trop facile. Je suppose que c'est pas une bonne idée de lui dire que sa fille est avec nous. Il n'a sûrement accès qu'à l'interphone. Merde, ça craint. Préparez-vous! Je mets le paquet! Naya, je sais que c'est ton père, mais il va falloir qu'on ait une petite discussion avec lui sur sa façon de traiter les gens. Allons-y, on est presque arrivé. Ça fait combien de temps que t'as pas vu ton père? Je veux dire, avant Triton. Ça doit faire un peu plus d'un an. Dalton, tu le connaissais? Ouais, on a travaillé ensemble à Stockholm, mais je crois qu'il m'aimait pas beaucoup. Il m'appelait Grande Gueule. Je vois pas ce qu'il voulait dire. Je l'aime déjà. Oculus, on est chez Raven. Bien reçu. Qu'est-ce que vous voyez? Une demi-douzaine de gardes, tous armés de massacreurs. Rien que Kimball ne devrait pouvoir gérer. Quoi? Je plaisante. Naya, par où on entre?
On peut passer par ces conduits. Mais il faut trouver un moyen de couper le courant. Faites beau rêve, ordure.
évacuer. On traverse ce mur. J'ai trouvé les commandes. Ok, on y va.